Ok, invitation au club de Lavalier. Avant de programmer une assemblée, le président du club vous enverra un message pour savoir si vous êtes disponible. Si vous lui répondez, le club se réunira le premier soir et tous les membres sont blancs. Rien à foutre. Spider-Man aimerait certainement que vous passiez le voir. Je crois que vous l'impressionnez beaucoup. Je suis l'arachnide qui tisse la toile. Vas-y mon gars, sûr. Spider-Man. 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 Oh, salut Hunter. J'avais pas vu que t'étais là. Tout va bien, tout est normal. Tous les meilleurs héros le font, je parie. Faire quoi? Ils exercent leur voix de héros. Moi, c'est ma Spider-voix. Je me suis dit que si je faisais équipe avec votre groupe, je devais passer à la vitesse supérieure, avoir une voix plus, je sais pas... effrayante, j'imagine. Faire la gueule. Oui, tu es sur la bonne voie, tu n'es pas encore au point. Ta Spider-voix est tout à fait remarquable. On est gentil, nous, avec Spidey. C'est ça notre t'a fait gars sûr. La peur a empli ton cœur tandis que tu approchais de la tanière de l'araignée? Quelque chose comme ça. Yes! Ça signifie beaucoup venant de toi, Hunter. Je connais pas beaucoup de chasseurs de démons. C'est toujours sympa d'avoir l'avis d'un pro de temps en temps. Et si je peux donner mon avis, je te trouve vachement plus sympa que Kraven. En fait, je suis venu te remercier. Me remercier? De quoi? Et est-ce que ce merci s'accompagne d'une pizza? J'avoue qu'affronter Eddie a tendance à m'ouvrir l'appétit. Si je parvenais à acquérir cette pizza, à qui l'offrirais-je? Ton identité demeure un mystère pour nous tous. Oh! Tu veux savoir qui est l'homme dans le costume d'araignée? Désolé, mais c'est non. Ma véritable identité est un secret bien gardé. Même MJ et Tante May n'en savent rien. Oh, attends. Je sais ce que t'essaies de faire. Désolé, Hunter. Je peux pas tomber le masque. Mais j'espère que ça causera pas de gêne entre nous. Tu ne peux pas fuir le regard de Lilith. C'est toi qui vois, ton secret serait bien gardé. L'abbaye est le lieu de tous les secrets. Ton identité ne craint rien au sein de ces murs. Ce sont pas les murs qui m'inquiètent. C'est le vrai monde, là, dehors, où vivent les gens que j'aime. C'est vrai. Aucun masque ne pourra te dissimuler aux yeux de Lilith. Son regard peut transpercer ton âme. Oh, ça me rappelle le père de mon meilleur ami. Et c'était avant qu'il devienne un bouffon volant. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Spider-Man. Les gens ici sont tous très différents. Et ils ne sont pas toujours d'accord non plus. Mais je peux te garantir une chose. Je leur confierai ma vie. Mes vies. Attends, est-ce que tu viens de dire mes vies au pluriel? Oui. Je sens que je vais adorer apprendre à te connaître, Hunter. Et nous aimerions apprendre à te connaître aussi. Le vrai toi. Écoute, je vais y réfléchir, ok? C'est une sacrée décision. Je dois méditer là-dessus. Consulter mon horoscope, tourner l'idée 100 fois dans ma tête, et on en reparlera à l'occasion. Ok? Ok. Il faut que j'y réfléchisse. Ah, c'est plus comme ça. Techniquement, si c'est comme ça, le pouce est censé être là. Ouais, c'est le pouce. Ok! On a notre gars sur Spidey. Oh, désolé. Tu es l'une des personnes les plus agiles que j'ai jamais vues. Si t'essayais de me donner la grosse tête, eh ben, c'est réussi. Mais de rien, mon gars, mais de rien. Alors, l'invitation à l'assemblée de Nico, invitation à l'assemblée des MO. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Ton délire à elle, là, je boycotte. Tu t'en tires comme un chef, Hunter. Ils sont et où, tu en fais plus bonne impression sur ton équipe. Magique, il a l'air assure-toi poutine de les complimenter pour leurs efforts, eux aussi. Ça leur fera plaisir d'entendre un mot gentil de la part du légendaire Hunter. J'ai envie qu'elle me laisse tranquille, elle. C'est bon, quoi. J'espère que c'est bien. Alors, ça me donne son problème, mais en matière de gadget, j'ai toujours pensé que tu aurais un menu possible de l'histoire. J'ai pas compris, j'ai pas vu, j'ai pas. Recherche. On n'a pas eu un nouveau. Oh, on n'a pas. Alors, cohésion. Stratégie du groupe. Les héros infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis qui désertent. Ok, c'est parti, docteur la terreur. Tu m'as apporté d'autres noyaux gamma? Des verrues. Regarde pas.
j'espère, j'ai des attaques intéressantes. Fais ton choix, Hunter. Les sortes de PV d'un allié guérison subit 24 de points de dégâts. Oh! Et c'est des ténèbres, soins obscurs. Oh non, flemme. Inflige faiblesse x2. 44! Inflige marque à tous les ennemis souffrant de saignement x2 gratuitement. Je vais mettre 44 de dégâts, mon gars, c'est pas mal, hein. Spidey, je pense que je vais autant le jouer que l'autre, hein. On commence enfin à avoir du bon matos. Je vais parce que genre Spidey il est comme Blade en fait. Genre les deux là ils m'intéressent parce qu'ils font archi mal et en plus ils peuvent taper deux personnes. Ils ont tous les deux rapides. Et ça c'est pas mal. Ça, c'est pour les objets, donc mon Balek. Vas-y, on va lui parler à elle, même si j'ai pas trop envie là. La vie des tueurs, on a rien d'aiser. Aussi vos alliés auront-ils parfois besoin de conseils, voir vos services. Aider les héros à résoudre leurs problèmes pour recevoir de nouvelles récompenses. Récompense capacité Hunter. Plan, un schéma simple orné de runes mystiques. Merci Hunter. Inflige vulnérabilité 1 à un ennemi, à un Hunter. Ultime. Je les drop genre. Je l'ai, c'est incroyable. En vrai. Flamme sacrée, frappe sacrée. En fait ça. Ah ouais, ça m'inflige aussi vulnérabilité. En taille rapide. Ok. Je peux avoir un fouet gratuit et un fouet payant. Sachant que lui, vu que je l'ai amélioré, il est gratuit. C'est pas mal ça, en vrai. 44, ça me consomme 2. Ok. Ah. Coup de genou. Propulsion. Point radiant. Coup de genou plus. Pas mal ça, moi. Spidey, modifier le deck, infliger, Toupi. Oh, en entrave, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment supportier. Hein. Là, c'est propulsion. Ah, j'ai les deux, j'ai propulsion plus rapide. C'est pas mal. Et là j'ai ses sorts mais je m'en bats un peu les couilles. Inflige 20, 40 ou 50 points de dégâts au hasard lors de la pioche. C'est pété son truc. Malédiction. Hop, bûcher. Alors, nouvelle capacité améliorée. Vas-y, on va améliorer ça. Oui, désormais améliorer la cour, pour rendre vos héros encore plus puissants au combat. Caretaker aurait quand même pu me laisser une chaise. Faut payer. C'est bien mieux que la salle des dangers. Let's go, améliorer les machins. Petit entraînement. Toupie. Ouf. Donc c'est entrave pareil. Attends. Et elle, il lui faut combien elle? Coup de genou, de 8 ça passe à 12, il me faut 30. En cas d'élimination, pioche une carte, machin. Oh, c'est pas mal ça. Capacité améliorée. Coup x2, 2 points de radiant équipé, posséder 3. Ça va tout changer. Provocation, confère une réserve de blocage à hauteur de dégâts. Je le donne quand même. Pas mal ça. Je vais améliorer Spidey en premier. Parce que lui, c'est inflige entrave les attaques de terrain contre la cible, inflige 50% de dégâts supplémentaires. C'est-à-dire, si je mets entrave en premier super. Et que je tape la personne, ce que ça va donner.
Il prend cher, hein. Là, c'est parce que j'ai plus de ça, ok. On peut faire un duel ou c'est... Ouais, c'est trop cher. Oh, j'ai des clés arcaniques. A plus. Bien sûr, Carole. Je vais analyser les données tout de suite. Analyser. Carole. Tu me dis que tu es dessus depuis des jours. Ah, c'est mission principale. Nécessite l'accomplissement d'une mission générale. Je comprends. Fais-moi ton rapport. Difficile. Gage d'information. Voilà. J'ai oublié d'avoir elle. Là, je prends qui? Je prends Spidey. Spidey et lui. Ou je prends Hunter. Hunter, elle est pas mal en vrai. On pourrait améliorer. Hein. En vrai, Hunter, techniquement, j'ai pas le choix de la prendre parce que ça améliore tout le temps mes persos. Charge un bail. Récupère le contenu des caisses de ravitaillement avant la retour de destruction émise des ennemis possédant des cartes magnétiques. Utilise des cartes magnétiques pour ouvrir les vides de caisses. Nous avons surpris une unité d'Hydra en train de décharger ce qu'ils ont dérobé. Récupère le contenu de la caisse rouge, caisse bleue, caisse jaune. Action, entrer en mode déplacement et placer le curseur sur l'ennemi que vous souhaitez bousculer. Ah, vous avez obtenu la capacité de pousser. Il va falloir se dépêcher si on veut réussir à mettre la main sur leur cargaison. Ça n'a pas l'air bien difficile. Poche 2. Je vais pêcher. Là, il a un rapide donc ça me rembourse. En vrai là, du moment je peux faire un mec comme ça. En vrai, c'était aurait été mieux de le mettre sur une petite, mais bon, ça va. Propulsion, techniquement, si je le propulse sur ça, c'est pas mal, non? Hop, il est KO. Ok, ça les détruit pas, ça. C'était quelque chose. Je me suis dit, si ça allait pas au pire, je recommence. En plein dans le mille. Et j'ai eu deux coups de genou. Ah, j'ai oublié de faire un déplacement. Voilà, maintenant c'est intéressant de faire un déplacement tout le temps. Tu ne perds rien pour attendre. Vous regretterez de m'avoir défié. Ils vont faire exploser l'une des caisses. Récupérez la carte avant qu'il soit trop tard. Hey, Nader. C'est caisse jaune en plus. Plus simple, plus simple.
connaissais pas ce coup-là. Je suis prête. Continuez comme ça, je suis pas inquiète. Oh sa mère, je l'ai pas eu. Bah moi je les pousse, ça contient pas une action. L'heure de la sieste. Ouais. Je pensais que je l'avais eu moi. Vous avez réussi à mettre la main sur l'une des caisses. Essayez de récupérer les. Ah ça passe automatiquement mon tour genre. Ok, devenir binaire. Qui me tape là ici? J'en ai un. Je pars là. B9. C'est quoi ça? Joue après que vous ayez joué 2K. Ah, c'est ça l'après-midi. On va passer. Toutes ces recherches ont finalement porté leurs fruits. Devient lassant. Je vous comprends. Tout se passe comme prévu. Une autre caisse va bientôt exploser. Récupérez cette carte magnétique. C'est laquelle? Là, c'est bleu, c'est la rouge. C'est qui a la rouge? Celui qui a la rouge. C'est l'heure du bain de sang. Joli. Alors lui je lui mets 13, il a 18, après je lui mettrai 25. C'est parti. Parce que le rayon là qui est un fiche 45, en vrai je pense que je vais l'utiliser sur E2 si je veux. Ça ressemble à tous. Et la frénésie va me ralentir. Là, ça va me ralentir. Et là ça va tranquille. Genou. Caméra, c'est ça, Dieu. Vous avez réussi à mettre la main sur l'une des caisses. Essayez de récupérer les autres. Bon, de toute façon, la dernière, je peux récupérer quand je veux. Qui va me taper? Lui, lui. Et que je vous y reprenne plus. Les renforts arrivent.
J'attends encore qu'il se motive. Une des caisses est sur le point d'exploser. Dépêchez-vous. Oh, en vrai. Qui est là? Vous embêtez. Non? Faiblesse, protection. 41. Rapide. Là j'ai 3. J'ai 34. Je me sens déjà plus fort. Je vais tabasser le frénésie. C'est quoi ça? Ne peut cibler qu'une unité qui a infligé la provocation. C'était la dernière caisse. Débarrassez-vous des forces d'Hydra et allons-nous-en d'ici. Et en vrai, là, je pense qu'on est 5. Faible, même pour un agent d'Hydra. Ça l'a pas ricoché. J'ai légèrement misclic, j'ai trop le seum. Quel est notre plan de secours? Pardon. Je n'arrive pas à me concentrer. Système de ciblage actif. Vous ne les voyez peut-être pas, mais vous avez de gros ennuis. Il n'y a pas que les vampires qui devraient avoir peur de toi. Cette cargaison ne finira pas entre les mains d'Hydra. Easy. Easy, 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 easy. Ouais, c'était facile. C'est pas trop dur, mais du coup, techniquement, côté gameplay... Oh mais Forcel! Non, j'ai pas envie de te parler, laisse-moi. Eh, je vais commencer à douter, hein, les lesbiennes, hein, c'est obligé. Hein. Ou alors, elle me surkiffe un point, genre, c'est terrible. Spidey est pas dans sa chambre. Là, je vais juste parler à Spider-Man et je vais aller me coucher, laisse-moi tranquille, toi. Et donc, t'as carrément dormi avec? C'était probablement une erreur. J'arrêtais pas de faire des rêves où je me faisais avaler par l'homme sable. Et c'est vraiment arrivé, tu sais. Écoute, je comprends. C'est pas une décision à prendre à la légère. J'ai longtemps hésité aussi. Et t'as changé d'avis? J'ai fini par leur faire confiance, visiblement. Ils sont peut-être un peu cinglés, mais ils sont comme une famille. Et ta vraie famille? T'as pas peur de ce qui pourrait leur arriver? Ils sont tous à LA. Même si mon petit frère Gabe adorerait cet endroit, ils sont au courant de rien. Tout ce qui se passe ici n'atteindra jamais leurs oreilles.
Pour être honnête, je pense même pas qu'on soit dans la même dimension. Quoi ? Laisse tomber. Ce que je veux dire, c'est que c'est un endroit sûr, peuplé de gens bien. Si quelqu'un peut garder un secret, c'est bien eux. C'est un des privilèges de faire partie des Midnight Suns. La plupart de nos vies n'étaient pas toutes roses quand Caretaker nous a recrutés. Et en plus, on a un gigantesque four à pizza alimenté par un démon dans la forge. Excuse-moi, tu veux bien ? Eh mec, y a pas de souci. On peut parler d'autre chose si tu veux. Oui, reste, je t'en prie. Je peux pas. J'ai quelque chose à faire. Je pensais l'avoir accroché avec le truc de la pizza. Qu'est-ce qui se passe avec cette pizza ? Chose promise, chose due. Comment ça ? À la demande générale, je vous présente... l'homme sous le masque. Peter Parker de Forest Hills. Content de voir que tu te débarrasses enfin d'une apron qui te sert de masque, Peter. On est entre nous ici. Tout le monde t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire, petit ? Salut ? Je veux dire, il savait déjà c'était qui ? Après tout ce suspense, j'espère n'avoir déçu personne. Je veux dire, je tire pas de laser, mon crâne ne s'enflamme pas et je brille pas comme le soleil. Comme l'a dit Tony, sans le costume, je suis Peter Parker. Même mon surnom est rasoir. La seule chose qui compte, c'est la victoire. Je t'ai vu affronter Venom, Peter. Tu peux me croire quand je dis qu'il n'y a absolument rien de rasoir chez toi. Oh, merci. C'est bon, on est in love, on est in love. Tu veux me faire rougir ou quoi ? Je ne savais pas que tu rougissais pour si peu. T'as pas idée. Parfois, mes réactions me surprennent moi-même. Maintenant qu'on s'est débarrassé du sujet tabou, on pourrait en profiter pour apprendre à se connaître, non ? S'il y a des choses que t'aimerais savoir à mon sujet, n'hésite pas à le demander. Je suis devenu un livre ouvert, apparemment. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Hunter ? Tu veux entrer dans le Spider-Verse ? Oh ! Oh ! Comment es-tu devenu l'homme ? J'ai rencontré des loups-garous, des demi-vampires, des hommes-dragons. Mais tu es mon premier homme-araignée. L'histoire de ta transformation doit être géniale. En fait, c'est pas si épique que ça. Ça ressemble plutôt à une sortie scolaire qui tourne mal. Tu vois l'idée ? Pas du tout. Eh ben, une petite araignée radioactive m'a mordu, alors que j'essayais de rassembler mon courage pour inviter Mary Jane Watson à l'exposition sur les particules PIM au musée d'Empire State. Ensuite, les photons à haute énergie injectés dans mon sang ont altéré mon génome. J'ai cru que je faisais une allergie au début. Et puis, j'ai commencé à m'accrocher au mur. J'ai dit à Tante May que c'était une puberté tardive. Et elle m'a cru, je sais pas pourquoi. Et toi ? Tu t'es fait piquer par un Hunter radioactif ou un truc du genre ? Je suis Hunter, tel est ma destinée, je suis qu'un soldat, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Bon, ma mère est le héros d'un dieu maléfique. C'est ma destinée. J'ai vite compris que la vie normale n'était pas pour moi. Et moi qui pensais que le lycée c'était l'enfer, ça a dû être un sacré fardeau à porter. Ce n'est pas toujours facile. Parle-moi des Avengers, quand est-ce que tu as commencé à jouer les araignées ? C'est quoi le problème entre toi et Venom ? Le Spider-Verse existe depuis combien d'années ? Ah, depuis combien de temps je fais ça, tu veux dire ? Oh, quelques années. T'aurais dû voir ma combinaison d'origine. Elle traîne peut-être encore quelque part dans le dortoir. Ça fait une bonne couverture. Et toi ? Tu chasses depuis combien de temps ? Les années importent peu depuis très longtemps, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Quand mes pouvoirs sont apparus, mon enfance est devenue floue. J'ai passé des années à chasser la progéniture de ma mère. Et ensuite, il y a eu la sieste dans la crypte, évidemment. Bien sûr ! Honnêtement, je n'en sais rien. Et encore plus franchement, je ne sais même pas combien de temps je vais... vivre. Je suis l'enfant d'une immortelle et d'un humain. Ma longévité est inconnue. C'est comme mon prêt étudiant. Ouf, elle est pas mal celle-là. Tu ne ressembles pas aux autres Avengers. Un Avenger ? Moi ? Oh non ! Entre mon double cursus à Empire State, les photos pour le Bugle et, tu sais, ce truc de protection du quartier, qui a le temps de faire ça ? En plus, personne m'a demandé de les rejoindre. Enfin, pas encore. Et toi ? Comment ça se passe le truc des Midnight Suns ? T'es leur capitaine, non ?
On forme avant tout une équipe, mon destin et les et de les diriger. Ou alors capitaine. Caretaker s'est toujours occupé de la stratégie. Je préfère l'approche de terrain. Comme tu veux. Mais franchement, Hunter, j'ai vu la façon dont les autres te regardaient pendant le combat. T'es leur chef, c'est indéniable. Ah ouais. L'obsession que te voue ce Venom est encore plus puissante que l'appel de ma mère. Jusqu'à présent, je croyais que c'était impossible. C'est... compliqué. Eddie, le gars sous la bouche dégoulinante, il était journaliste avec moi au Bugle, à une époque. J'ai un peu ruiné sa carrière en révélant que sa source était fausse sur une affaire de meurtre. C'est ce qui l'a amené au symbiote extraterrestre, qui avait formé un lien secret avec moi, quand ma tenue d'origine a été détruite sur Battleworld. Mais on parlera plus tard de cette petite aventure. Mais pour faire court, j'ai cru avoir éradiqué le costume avec une cloche d'église. Avant de savoir qu'il était vivant, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le symbiote extraterrestre a décidé de fusionner avec Eddie, et ils me traquent tous les deux maintenant. Un malentendu typique, tu vois le genre. Faut croire que chaque super-héros a son ennemi juré. Le mien, c'est Venom. Ouais, ça doit être dur, sachant que pour toi, c'est ta mère. Tranquille, hein. Je l'ai jamais connu. Caretaker et Agatha m'ont protégé, formé et soigné. Lilith ne m'a apporté que de la douleur. Le même. Même si c'était un genre de douleur différent, j'imagine. J'aurais pas pu avoir mieux que Tante May et Oncle Ben. Mais parfois, je me dis que j'aurais aimé connaître mes parents. Même l'histoire d'une seconde. Ah ouais. Merci, Peter. Je dois y aller. Mais cette discussion m'a ouvert les yeux. À moi aussi. Je dois te remercier, Hunter. Avant, je gardais tout pour moi. Tu sais, je voulais pas passer pour le concierge de service, mais tu m'as permis d'ouvrir les vannes. De laisser le vrai Peter Parker s'exprimer. Enfin bref, je veux pas te retenir. On aura d'autres occasions. Cela ne fait aucun doute. À bientôt, Peter. Ça m'a fait du bien de te parler, Hunter. Il y aura cette histoire entre les deux. Attends. Oh, salut, Hunter. Non, mais laisse-moi tranquille, Nico. La ville, laisse-moi tranquille. Je suis à combien là? Techniquement, je suis côté. Oh, je suis bientôt au pouvoir de la puissance lumière. Par contre, c'est un peu abusé. Toi, ta mère. C'est un peu abusé, hein. Je. Oh non. Je peux pas dormir. Mais laisse-moi. Hunter, j'ai besoin de ton aide. Non. C'est bientôt l'anniversaire de Magic. Je pensais organiser une fête surprise, mais j'y arriverai pas toute seule. Ah! Si c'est pour elle, vas-y. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, je parie que ça s'appelait une embuscade à ton époque. Oh, t'es pas drôle. Le jour de son anniv, vous vous cacherez quelque part. Je vous amènerai Magic et vous... Ça, c'est vraiment parce que c'est Magic, hein. Et on s'empiffrera de gâteau. Intéressant, j'en suis plaisante. J'espère que ça en vaut la peine. Tu as besoin de quoi exactement? Rien de très compliqué, je veux pas te demander d'aller me chercher des ingrédients spéciaux ou je sais pas quoi. Si tu pouvais mettre les autres Midnight Suns dans le coup, ça me rendrait déjà un fier service. Mais va leur parler! Merci! Et tu as besoin de moi pour ça? Non, mais tu fais partie de l'équipe et j'aime bien que tu nous le montres. Ça me toucherait vraiment que tu t'en charges. Tu veux que j'en parle à Tony, Carole et compagnie? Oh, je sais pas s'ils sont capables de garder un secret. Et on voit comme quoi Edge la déteste. Vous avez vu, genre, la manière dont je parle? Oh, mais je devrais peut-être inviter Spider-Man. Je suis sûre qu'il s'amuserait beaucoup. Elle est chiante. Ok, dis-moi juste de quoi tu as besoin. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais je t'enverrai un message quand je le saurai. Demain, j'imagine? Ça marche. Merci. Est-ce que t'as des questions? Non! 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 Non, c'est bon. Tu m'as déjà tout dit. Tant mieux alors! Arrête de me parler! J'ai hâte de voir sa tête le moment venu. Je peux enfin dormir ou c'est trop demandé? Putain, qu'est-ce qu'elle est relou elle! Pourquoi elle vient de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça là?
On dirait que c'est écrit sur la peau, c'est chelou. On va s'acheter de nouveaux habits. Hein. On a 400. Hop. 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 Hop, comme ça, moi, je vais changer d'habits tout le temps. Tous les jours, tout le temps. Matin, midi, soir. Enfin, je peux toujours pas débloquer, je sais pas comment on va. Sous mes lunettes. Je peux avoir un accessoire frontal. Non, c'est horrible. Autant dans la vraie vie, je peux avoir des bandanas, mais là, pour elle, ça lui marche pas. Message privé, super link. Ne me dis pas de me calmer, Robbie. Les autres sont avec Caretaker en train de préparer leur prochain coup contre Faustus et ils nous mettent à l'écart. Encore une fois. On parle des Avengers quand même. Ce sont des héros. Oh. Et qui a sauvé les fesses de ces héros quand ton pote Spider-Man était pourchassé par un extraterrestre visqueux? Nous. C'est bien vrai ça. S'ils sont si puissants que ça, pourquoi Strange n'a pas pu nous aider à sauver Wanda? Laissez Doc en dehors de tout ça. Il m'a soigné plus d'une fois depuis que j'ai rejoint les Avengers. Les citrouilles explosives, c'est pas vraiment couvert par les assurances. Il serait même pas capable de changer une roue. Ils s'incrustent chez nous, ils jouent au petit chef, et maintenant, ils osent prendre des décisions qui nous concernent sans les rien demander. Les si vous voulez être les larbins de Monsieur Stark et de Docteur Strange, c'est votre problème. Moi, je vais prendre l'air. On n'arrive plus à respirer ici. S'il vous plaît, me forcez pas à lui parler, s'il vous plaît, j'ai pas envie de lui parler. Yes! Bon, j'ai un message privé de l'autre trou de balle, là. Tu sais quoi, Hunter, t'es plutôt cool. Et il commence à me kiffer, lui. Merci de m'avoir aidé pour la fête des magiques. Je te réponds même pas, laisse-moi tranquille. Je suis disponible. Il faut qu'on se parle en privé, prioritairement, quand tu auras du temps libre. La vie me kiffe, lui. Ok. Je n'aurais pas su prédire une telle issue, mais c'est intrigant. J'ai ramassé un... Vous non, avez ouais. trouvé un autre artefact? Fascinant. Cet artefact est tout ce qu'il y a de plus banal. Je suis toujours... Oh, des noyaux gamma. C'est de nos travaux. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, je gagne 4 du coup. Fixe le coût d'une carte héroïque aléatoire de votre main à 0. Pas mal ça. Enchaînement x2, rapide. Enchaînement x2 est pas mal, faudrait que j'améliore juste les dégâts. Hein. Frost? Ah ouais, c'est Frost. Alors, recherche. Sérum de vérité. Permet d'interroger les unités d'Hydra. Permet de gagner des expériences dans une arène de combat. Nous nous y mettons immédiatement. Nouvelle capacité à améliorer. On va. Il y a le message du Super Link. Je vais le quotidien, j'ai de la thune là, j'ai de la thune. XP bonus d'amitié. C'est en forgeant qu'on. Je reste convaincu qu'on aurait dû commencer par construire un champ de tir. Amélioration de la cour. Merde. Ah.
Propulsez les ennemis sur vos alliés pour leur infliger des dégâts supplémentaires importants. Les héros ne subiront plus de dégâts lorsque les ennemis sont projetés sur eux. Ça faudrait que je l'aie. Hein. T'es de retour ? Ok. Blade. Donc la frappe enchaîne x3, ça c'est pas mal. On doit mettre toutes les chances de notre coup. En cas d'élimination, pioche une carte. Ça va tout changer. Propulsion. En taille. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts. C'est quoi sa propulsion intense ? Percute des objets, passe à travers ou percute des objets ou d'autres unités, double la distance et les dégâts à l'impact. Ok, c'est pas mal ça. A plus. Non, je te parlerai pas. Je prends pas les couilles de ta vie. Nico nous a sorti de bons arguments, mais pour être honnête, je commence à m'habituer à la présence des Avengers dans l'abbaye. Alors ouais, c'est vrai que Tony me tape parfois sur le système. Mais c'est pas le cas des autres. Bien sûr. Je me pose quand même une question. Laquelle ? Ben, tu crois qu'ils pensent quoi de nous, eux ? Rien, wesh. Pourquoi ne pas leur poser la question directement ? T'es sûr que ça va ? Ils nous trouvent fantastiques. Quand on affronte un démon, il faut viser le cœur. Tu m'apprends rien. Alors pourquoi tu viens me voir, moi, au lieu de leur poser la question ? Tu pourrais au moins lui demander à elle. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Tu as de nombreux talents, Daywalker, mais tu ne sais pas mentir. Avoue tes sentiments à l'égard de Carole, tu te dois bien ça. Quel sentiment ? Je ressens juste de l'admiration et du respect à l'égard de ma coéquipière. Quel sentiment ? Je ressens juste de l'admiration et du respect à l'égard de ma coéquipière. Tu en penses pour elle ? Très bien, tu veux jouer à ça ? Affronte la vérité comme tu affronterais ton ennemi, Blade. Ton admiration pour elle dépasse largement le champ de bataille. Tu délires, Hunter. Depuis que je te connais, c'est la première fois que je lis la peur dans ton regard, Blade. Oh, il me kiffe ! Hors de question de parler de ça avec toi, Hunter. Laisse tomber. Très bien. Oh, et cette conversation n'a jamais eu lieu. C'est noté. Ça sera répété, amplifié. Alors, Blade vous fait signe, puis se penche pour vous parler à voix basse. J'ai demandé, vu que tu la connais depuis plus longtemps que nous, as-tu confiance en Caretaker ? Je veux dire vraiment confiance. Ah ! Caretaker a ses secrets, comme chacun d'entre nous, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Putain ! J'ai envie de mettre noir, hein. Mais là, il me faut juste la récompense machin pour voir ce que ça donne. Fais chier. Hey, je peux te demander un service. Même moi, j'y crois pas, frère. La vie, j'ai même pas confiance en elle. 11. L'équilibre peut être influencé par les choix pris lorsque tu es en charge avec les héros de la baillée, conversation, requête. Les cartes, alignement, lumière ou ténèbres. Bon bah c'est bon, j'y suis, mais ça fait quoi du coup? Ça fait rien, hein. Je pense que vu que ça fait rien, vas-y, c'est pas grave. Hein. J'ai le seum. Vas-y, je vais répondre comme quand j'en ai envie là maintenant. La fin du monde, ça fout vraiment mes projets de voyage en l'air. Tu comptais aller où ? Un peu partout. Calcutta, Vladivostok, le Cap, Perf. Et peut-être un crochet par la transit sur le retour. On dirait presque un safari présenté un peu de tes projets de voyage. Si tu veux un compagnon de voyage, je suis partante. Si on réussit à sauver le monde.
toi et moi? Ça ne te dit pas? C'est juste que je te voyais pas du genre à voyager. Il me kiffe! On dit que cet endroit est lié à toi. Il me kiffe! Est-ce que c'est parce que je suis une meuf, je sais pas. Non, non, l'idée me tente. Tout le monde devrait avoir une chance de voir le monde. Ça me plairait beaucoup. D'accord. Attends, je vais vérifier mes points de fidélité. Je devrais en avoir assez pour deux billets. Choisir un cadeau crâne. Je pensais pas m'amuser autant. Conversation activité 5, conversation plus 4, a aimé le cadeau commun. Il a aimé le crâne. Quel trou du cul. J'ai vu une chauve-souris. C'était cool. Ça fait quelque temps que je t'observe sur le champ de bataille. Et je dois dire que tu te débrouilles pas mal. Ça te dirait qu'on s'affronte en duel? Tu veux qu'on se batte? Vois ça comme... une compétition amicale. Intéressant, j'en suis, c'est surprenant. Amical, hein, mais bien sûr. Une compétition amicale? C'est juste qu'une compétition entre coéquipiers fraîchement ressuscités, ça sonnait moins bien. Moi aussi, je te considère comme un ami, Blade. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il fait zone. Avant qu'on ne commence, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ouais, tous les coups sont permis, mais interdiction de toucher à mes lunettes. Bon, qui s'en charge? De quoi? Du top départ. On est passé au niveau 10. C'est comme ça qu'il se passe là? Hunter a augmenté son niveau d'amitié avec un héros. Augmenter le niveau d'amitié avec les héros pour leur faire débloquer de puissantes récompenses. Le niveau d'amitié confère également des récompenses cosmétiques qui vous permettent de modifier l'apparence des combats. Si c'est que cosmétique, je m'en bats les couilles. Genre honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais... si je peux débloquer genre des techniques de fight et tout, je suis preneur de malade. Hein. Je suis grave preneur. Hein. Ah, c'est la mission principale. Bah vas-y. Hein. Ça recommence. Cette étrange signature d'énergie gamma. Les nombres verts, comme les appelle Bruce. Les engins d'Hydra qu'on a trouvés sont saturés de cette fluorescence. Et quel est l'avis du docteur Banner sur la question? Je n'arrive pas à le contacter. Il a fiché le camp. Envolé. Ça lui arrive parfois, quand il travaille sur quelque chose. Quel genre de choses? Du genre colossal. Bon, et maintenant? On se trouve un autre docteur spécialisé dans l'étude de ces rayons gamma. Il se trouve que j'en connais un qui a récemment ouvert une boutique dans le coin. Évidemment, il est foyer. Faustus. Oui, lui-même. Bien. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire, tous les deux. Oh, comme d'hab, des secrets d'Hydra, d'infâmes complots, la bombe bizarre qu'il m'a balancée. Quand est-ce que la traque va pouvoir commencer? D'après nos derniers renseignements... maintenant. J'en ai des photos. Hein. Ah, déplacer dans l'album, on rename. Alors, on va partir avec Spidey, mon gars sûr. Ou alors on part avec... voilà, on part avec lui. Spidey ou Blade? Spidey ou Blade? Spidey ou Blade? Spidey ou Blade? Ça dit, on part avec Blade. Docteur Faustus, mon vieil ami. Il va être ravi de nous voir. Je vous sens très sarcastique. Si on veut soutirer des informations à ce type, il va falloir utiliser la manière forte. Ok.
Vous vous rendrez à New York, près du port. Faustus supervise les opérations d'Hydra dans le secteur. S'il a fait le déplacement, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important là-bas. Restez concentrés et essayez de faire profil bas. Les forces corrompues de Lilith, ce n'est rien à côté de l'autorité portuaire. Ah ben... C'est l'Hydra, si j'aurais Captain America, je l'aurais pris. Doucement, doucement. Elle sera sans doute de très mauvaise humeur après avoir fait un si long voyage. Là, là, ma magnifique et terrifiante fille. Je te libérerai bientôt, sois sans crainte. Tu pourras déchaîner la vertueuse fureur de notre mère sur ses ennemis. Les faibles, les ignorants et les indignes. Je vous avais prévenu. J'ai comme une impression de déjà vu. De la magie noire, je peux la sentir, comme la dernière fois. Et il a renforcé la signature Gamma. Ça doit être le nouveau modèle, encore plus maléfique. Je vois. Bientôt disponible sur les quais des airs près de chez vous. Je suis ravie que vous ayez découvert la télé. Quoi que soit cette chose, elle semble importante pour Faustus. Et c'est quoi ce téléchargement qui pèse, là ? De toute évidence, nous devrions l'inspecter. Coupez l'herbe sous le pied. Ok, c'est bon, c'est revenu. Attends, deux heures, je me suis dit, c'est abusé. Émite aux ennemis pour mettre fin à l'affrontement. On a vu les... Alors... Ouais, vous verrez. Vous ne vous en je dois juste les taper, hein. Ah, je devrais aller là-bas. Il n'y a pas moyen de couper vaincre tous les ennemis. Monsieur Stark va bien finir par s'en charger. Faire une réserve de blocage. Hail Hydra, hein? Charge. Je connaissais pas ce coup-là. 15. En plein dans le milieu. Là, ça met 32 shield. Worth. Faible, même pour un agent d'Hydra. Et normalement c'est bon, hein. Y'a rien à faire. Ah mais si je fais ça, je me prends les dégâts. Je passe mon tour. Fondu dans les ombres. Ils sont où les sondages là, sondage. Alors, tireur d'élite d'Hydra verrouillé. Quand un tireur d'élite a verrouillé une araignée rose, sa prochaine attaque lui inflige une quantité critique. Oh, super.
Lorsque ma bombe aura atomisé la grande Captain Marvel, les autres seront bien obligés de me prendre au sérieux. Même cet idiot de Crossbones ne pourra que reconnaître mon génie. Et mère, oh, elle sera tellement contente quand je lui apporterai vos cendres. Pas autant que moi quand je vous balancerai mon poing dans la figure. Vous avez eu une chance de vous. Ok, après lui, il a 64. Est-ce que j'ai une attaque de Blade là? Ça me mettrait archi bien là. Rayon photon. Si j'ai pieux, c'est parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Pourquoi 52? On va passer. Ah ouais, je l'ai empêché saignement. Finalement, il devrait crever. Hein. À New York, on peut aller en prison pour ça, Blade. Mais perdre 26 points de dégâts à l'unité à la fin de son prochain tour pendant un. Pendant tour, ignore blocage et résistance. Nickel. Ça, je peux pas le faire bouger, j'arrive pas très bien à comprendre donc, comment ça. Ah, ça touchera jamais. Nickel. Ce courant d'air? Nous sommes presque là! Tenez la position! Les pages sacrées du Darkhold avaient prédit que je deviendrais le héros de votre mère, Hunter. Tout comme elles avaient annoncé votre retour. Votre vie entière me fut révélée, tout comme les actions perfides de celle que vous appelez à tort, Caretaker. Vous a-t-elle parlé de votre véritable destinée? Vous ne souhaitez pas savoir? Je peux vous montrer la vérité. Et moi, je vais vous envoyer en enfer, Vermine. Vous avez un sacré tempérament pour quelqu'un qui prétend défendre le bien. Je comprends mieux pourquoi Kton s'intéresse à votre... Non, merde, 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 merde. Ah ouais, ah, en fait, tu dois faire des ricochets ici pour faire tomber après ça ici. Et c'est ça, genre, qui tombe. C'est donc ça le secret. Vous allez voir. Ça, c'était quelque chose. Y a plus de temps à perdre. Allons-y. Vous aussi, vous avez dû détecter les ajustements apportés à mon appareil, Captain Marvel. Je crains fort que son énergie ne soit pas aussi facile à absorber cette fois. Non ! Ne m'abandonne pas ! Je vous en fais une. Une seule. Ah. Mère sera exaucée. Classique.
Hydra. Capturer l'agent d'Hydra avant qu'il ne s'enfuit. Briser la protection de l'agent, utiliser la carte de capture. Les hommes qui sont sauver la bagaille. Débarrassons-nous d'eux. On s'en occupe. Shikari et Vini Secret. Aucune inquiétude à avoir. Putain, marrant, c'est un peu chaud de parer régène sa vie, c'est galère, là c'est fausse. Restore, action, ah ouais, c'est... j'ai que des trucs d'action. Je peux rien faire. Vu que je peux rien faire, la prochaine fois je serai moins sympa. On va faire ça, hein. Fils quoi. Vos grands discours, vos élucubrations sur le livre des ombres. Ne me dites pas que le grand docteur Faustus a perdu. C'est baisé là, je peux même pas jouer. Apparemment, les sorts du Darkhold ne permettent pas d'améliorer la condition physique. Attrapons ce boirien avant qu'il nous file entre les doigts. Hydropiole, j'ai fait une action. Merci, je m'en souviendrai. Fureur. Fois 2. Ah, c'est un saut et ça tu propulses. Ils sont en mouvement. Et là je consomme 2. Là il prend 10. Et là du coup lui je dois retirer 14. Moi je vais utiliser tellement ça m'en fout. Genre. Vous vous fatiguez pour rien. Docteur Faust essaie de s'enfuir, il s'échappe à la fin du tour, utilise la carte de capture du... avant de... Le problème c'est que lui il a tellement de vie, putain.
vous serez moins chanceux la prochaine fois. Oh, vous êtes mignon, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Insensible aux projections. En fait, j'ai pas eu de chance, j'ai drop que des trucs avec rayon. Enfin, avec il me faut ça, genre, je me suis fait baiser au final, genre. C'est reparti pour un tour. Il perd que 10 en plus. Quelle haine. Je comprends mieux pourquoi beaucoup craignent votre force. J'ai perdu. Je redoutais les fidèles de Lily. Aujourd'hui, je leur instille la même terreur. Bah ouais, je suis baisé moi dans l'histoire. Là, il va se barrer là. Ça va. Ils m'ont donné que des armes de merde. Frère Blade a même pas joué. Bah ouais. S'il vous plaît, donnez-moi des cartes intéressantes. Encore ? Non mais gros, je me dis. C'est quoi ? J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Va se faire taper, mais vas-y, c'est pas grave. La vie, je suis maudit. Ennemi imminent. Personne ne t'atteindra. Où sont passés vos grands discours, vos élucubrations sur le livre des ombres? Ne me dites pas que le grand docteur Faustus a perdu sa langue. Apparemment, les sorts du Darkhold ne permettent pas d'améliorer la condition physique. Attrapons ce bon à rien avant qu'il nous file entre les mains. Où t'es ?
L'aide est la bienvenue. J'ai perdu encore, wesh, c'est impossible. La vie, comment je suis censé savoir ça? C'est parti. Ça, c'était quelque chose. Oh non, je peux encore l'utiliser. Prochain tour, j'utilise ça, ça me donne du plus 2. Et je vais le rafale lui. Hein. Ouais, mais jamais de la vie, je le tue. Viens là, sang. Lilith risque de ne pas être contente. Fouet infernal ont dû provoquer une erreur dans la séquence d'armement. Les petites modifications étaient censées tripler l'efficacité du perturbateur. Vous serez moins chanceux la prochaine fois. Oh, vous êtes mignon, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Oh, mais il va se passer. C'est impossible que je lève. Celui qui se bat pour sa liberté. Allez, c'est pour de vrai, là, allez, c'est là. Pour l'éternité. Exactement ce dont j'avais besoin. Oh. C'est une façon comme une autre de se faire remarquer. C'est le moment. Capturez Faustus avant qu'il ne reprenne ses esprits. Ok, nice. Hydra ne nous laissera pas l'enlever sans réagir. Restez vigilants. Il
Nous devons nous débarrasser. Ah, faut que j'arrive à les buter. Techniquement, là, je suis tranquille parce que là, du coup, je suis tranquille. Je peux même pas jouer! C'est ce que je peux faire. Bon, j'ai plus d'action possible. On se rendra jamais. Faut juste pas que je meurs. C'était votre seule chance. Quelle ténacité, chapeau. C'est le moment de tout donner. J'avais reçu des ordres. Ne les laissez pas s'approcher de moi. Qu'en est-il de la loyauté et du courage d'Hydra dont vous vous êtes tant vanté? Regardez bien. Ah, j'ai perdu ma charge. C'est donc ça le secret. Charge. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. Je suis de ouf. Un esprit sain dans un corps sain. Je suis prêt. Il n'y a qu'une personne qui tape le Enter, c'est tranquille. Continuez, vous finirez peut-être par y arriver. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. Pourquoi mon hélicoptère n'est-il pas prêt? Dépêchez-vous, bande de bons à rien! Je dois vous faire un dessin. Vous êtes fini. Même vos hommes l'ont compris. La lumière est de notre côté. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça. On va taper lui. Hi Hydra, hein? Deux actions encore. Oui, je peux faire 15 et 15, ça me fait 30. Et ça me fait 18. Un vrai beater, c'est de faire. Ils ont évolué.
fait 30, puis je fais 18, et là je vais provoquer. On pourrait penser qu'après toutes ces années d'échecs, Hydra aurait fini par jeter l'éponge. Une touche, leur pousse là. Je voulais avoir accès à ça pour faire péter, mais là, c'est pas. Ouvrez grand les yeux. C'est gaspillé que 1, donc on va être tranquille. Faut que j'arrive à piocher là. C'était pas censé faire mal. Je n'aimerais pas être à votre place. C'est tout. Allez, vite! Escortez-moi jusqu'à l'hélicoptère. Vous croyez toujours pouvoir vous en sortir. Je régène. Tu n'as pas besoin de me prouver ta valeur, Blade. Adieu. Tranquille. J'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles. Nous le tenons. Ramenez-le avant qu'il n'envoie quelqu'un d'autre pour nous barrer la route. Non ! Bon, ça a été plus long, mais c'était chiant. Ce n'est pas votre jour, pas vrai ? Vous croyez que vous me faites peur? Moi, qui suis le bras droit de la mère des démons, j'entends les murmures du dieu sombre Kton. On m'a chargé d'apprendre les secrets du seul véritable livre de création. Et vous croyez que c'est moi qui aurais peur de vous? Eh bien, oui. Que voulez-vous savoir? Absolument tout. Crossbones. Oh! Mercenaire d'Hydra, opération clandestine. Vous verriez le dossier que Steve a sur lui. Hydra a dû juger que Faustus ne lui était plus utile. Nous n'apprendrons rien, apparemment. Peut-être pas. Si ces décennies à lutter contre les morts vivants m'ont appris quelque chose, c'est qu'il y a toujours une réponse. Si on fouille assez loin. Bien joué. Plus qu'à retourner à l'abbaye. Mais d'abord, passez un petit coup de lingette dessus. Ben, une étoile, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Okay.